Yes, les gens, c'est QS Banks. Bien ou quoi, les gars? Tranquille ou bilou, moi ça va nickel. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur GTA Online. Je vais vous parler un peu de la nouvelle mise à jour, import-export. Alors, c'est mise à jour avant Noël, très grosse mise à jour, l'une des plus grosses sur le jeu. C'est une sorte de partie 2 à la mise à jour CEO PDG, si vous vous en souvenez. Je vous invite à regarder d'ailleurs la vidéo que j'avais faite, comment être PDG avec moins de 3 millions de dollars GTA. Pour ceux qui viennent d'acheter le jeu ou qui vont l'avoir pour Noël, je vais vous mettre la vidéo à la fin sur une petite vignette, vous cliquez dessus. Et ça vous aidera à acheter le bureau pour être PDG. Et ensuite, avec encore moins de 3 millions, cette vidéo-là, par la suite, je vous invite à la regarder après. Pour aussi, avec moins de 3 millions, pour acheter un garage, commencer à développer une activité d'import-export, customiser un véhicule, qui est pour moi le véhicule coup de cœur que je vais te montrer là, c'est le Eleegi Retro Custom. Alors, il faut savoir que la Eleegi, c'est une voiture gratuite. Et en mode custom, il faut 850 000. Donc, je vais pas te montrer la customisation tout ça, parce que chacun a ses goûts et on connaît déjà. Sur la Sultan RS à l'époque, on avait déjà vu ça. Mais je vais te montrer une petite course avec la Sultan Eleegi Custom, qui est pour moi le véhicule coup de cœur de ce DLC. Même s'il y a d'autres véhicules, il y a la Pegasi Tempesta, il y a les véhicules que tu vois comme ici, les véhicules spéciaux, qui y en a pour certains qui vont sur terre et sur l'eau. Ça, je vais pas te les montrer. Il y a plein de youtubeurs qui l'ont déjà fait. Et je trouve ça pas très important. Je trouve le plus important, c'est la mise en place du DLC. Qu'est-ce qu'on peut faire dedans? Voilà. On peut acheter des habits. Je vais pas montrer non plus les habits. Tu vas voir que mon perso, il habille avec les nouveaux habits. Ça, c'est à toi de le découvrir dans le jeu. Je vais te montrer plutôt quoi acheter avec peu d'argent et comment ça se passe une mission et les reventes de véhicules. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a 9 nouveaux entrepôts pour entreposer les véhicules. Ils sont chacune composées de 40 places. Donc je te conseille d'acheter le moins cher, qui est celui-ci, qui est haut. Voilà, celui-là, là. Ça change rien aux autres. Après l'intérieur, d'accord, tu peux aussi. Il faut savoir que tu peux customiser les intérieurs. Il y a trois options. Une option de base qui est classique, une option urbaine et une option officielle. Comme tu peux le voir tout de suite. Moi j'ai pris la officielle parce que pour ma série Vagos Locos, que je t'invite d'ailleurs à aller regarder, c'est une petite série originale. Façon BD, mais version GTA. Je t'invite à aller regarder ça, on en parle plus tard. Donc, j'ai acheté celui-ci, le moins cher. En plus, il tombe bien parce qu'il tombe voilà, à la Mesa, c'est le quartier des Vagos. Alors, le quartier des Vagos, je vais te les citer vite fait. Il y a la Mesa, El Bureau 8, Cypress Flat et Rancho Sud, je crois. Voilà. Après, il y en a d'autres endroits, mais les vrais quartiers, c'est ça. Donc là, je te montre. Avant, c'était ça, le truc de marchandise, pour ceux qui connaissent pas, ben voilà, il y avait un business de marchandise, tu allais récupérer des caisses et après tu avais un système d'entrepôt et tu les revendais. Tu revendais les bijoux, etc., en faisant des sous. Bon, c'était plutôt compliqué parce qu'avec les caisses, des fois, tu devais faire des allers-retours. Mais là, avec les véhicules, ce qui est bien, c'est que c'est un par un. Ou quand tu es avec 2-3 joueurs, ben c'est 2 par 2 ou 3 par 3. Mais ça, ils vont jamais t'envoyer deux véhicules alors que tu es tout seul à t'envoyer ça. Donc c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien jouer tout seul des fois. Donc, le principe de cette mise à jour, c'est, comme je viens de te le dire depuis tout à l'heure, de développer un business autre qu'avec des caisses, un système de caisses. Je trouve que ça revient plus vers les bases de GTA. C'est un système. Alors là, j'ai voulu te mettre un petit bout de montage pour te montrer les diverses situations dans lesquelles on peut se retrouver à travers les missions du DLC. Donc là, c'est un petit exemple. On doit aller récupérer la voiture au fond là à droite, la petite 760. La 770 d'ailleurs, plutôt. Que tu vois comme ici sur le site là, hop, de revente. C'est le nouveau site de revente d'import-export. Alors là, on la prend. Tac. Il faut savoir qu'il y a des reventes et des collections. Alors là, comme tu peux le voir, il y a privé, showroom et concessionnaire spécialisé. On va prendre concessionnaire spécialisé. Entre guillemets, c'est la possibilité d'enlever les plaques de l'ancienne voiture volée, de les changer et de la customiser. Et plus tu prends cher, plus en gros tu vas changer de choses sur la voiture et plus tu vas la revendre cher. Voilà, entre guillemets. Tu as les customisations basiques ou alors les customisations les plus élevées. Voilà, tu as tout compris. Plus tu investis dans le véhicule, plus tu vas le revendre cher, plus tu auras de commission. Par contre, ce qui est bien fait, c'est que vu que tu changes les papiers, etc., des fois, tu as des petites missions où avant d'aller la livrer, tu dois aller chercher les papiers du véhicule, les nouveaux papiers du véhicule.
Et Pourquoi tu ensuite m'as appelé? la livrée. Et sur le chemin, comme d'habitude, en plus des joueurs de la session qui peuvent venir te tuer ou te bousiller la voiture, il y a aussi des PNJ qui essayent de barrer la route ou de te voler le PNJ. Donc je trouve ça plutôt bien fait. Et là où c'est encore mieux fait qu'avant, c'est que maintenant il y a la possibilité, comme je te le disais juste avant, d'aller livrer des véhicules à plusieurs, c'est-à-dire si tu es tout seul, tu vas en livrer qu'un et tu peux en livrer jusqu'à 4 véhicules d'affilée et des fois des collections complètes. Donc je pense qu'il doit y avoir un bonus de revente quand tu vends la collection complète. Et j'ai toujours pas fait, mais je pense que oui. La collection complète, en fait, c'est des véhicules recherchés par certains acheteurs et demandent une collection. En général, il est entre 3 et 4 véhicules. Et entre 2 et 4 véhicules, pardon, pas 3, entre 2 et 4 véhicules. Et donc voilà, le but c'est de revendre en une transaction les véhicules. Voilà, tout simplement. Donc là, comme tu peux le voir, tout est gratuit au niveau de la customisation. Une fois que tu as payé le devis pour les petites réparations, les moyennes ou les grandes, tu vois, le showroom, le privé ou le concessionnaire spécialisé. Et voilà, tu as compris, ma main, tu as tout compris. D'ailleurs, n'hésitez pas, les gars, je compte faire. Il y a une compétition Rockstar Editor, les gars, là, pour les nouveaux véhicules du DLC. Vous savez qu'il y a 8 véhicules spéciaux, dont le premier véhicule que tu as vu au début de la vidéo, là, qui a levé la voiture de police. Le Dune Ramp, il s'appelle. Il y a d'autres véhicules plus là, plus What the Fuck Okay à la then, Mad let's do Max. this deal. The quote is for Donc, undamaged goods. moi, c'est pas trop Get to mon the délire, buyer like mais pour that, faire un petit we are seeing montage à la Mad counsel. Max, pour ceux qui connaissent. Usagers, je compte faire un billet pour dimanche à 18 h, c'est-à-dire pas demain mais après-demain. Si vous êtes chaud, vous laissez un commentaire ou alors vous nous rejoignez sur le Xbox One, vous appelez Ghost Locos TV et on se fait ça. Je cherche 15 personnes en général, le dimanche il y a toujours 15 personnes, si possible majeurs ou alors des gens qui font pas mal à la tête et qui sont prêts à écouter les consignes. Et voilà les mecs, il n'y a pas de souci, on partage, on communique, on fait du roleplay, on est là. À nous rejoindre, télécharger les maps là. Après, on va tester à la Elite Custom sur l'une de mes maps. Je t'invite à aller sur le Rockstar Social Club Twitter, Talibanks. N'hésite pas aussi. Voilà, je Twitch aussi en ce moment beaucoup. Donc, les gars, pareil, n'hésitez pas à vous taper Talibanks sur Twitch et on communiquer avec moi. Vous me rejoignez. On n'est pas nombreux, nombreux. J'ai une petite communauté, je m'en plains pas. Je suis pas comme les grands youtubeurs qui se plaignent d'avoir 1 million de vues, d'avoir 3 millions de vues. Moi, je ne fais pas beaucoup, beaucoup de vues, mais j'ai une communauté. Et d'ailleurs, je te remercie. Il y a eu 2 commentaires là sur mon ancienne vidéo qui m'ont fait plaisir. D'ailleurs, MatTV, je te passe un petit bonjour. Ton commentaire est bien pour les créateurs comme moi qui sont perdus dans le flux de YouTube. Merci à vous. Donc, je vous invite à laisser des commentaires, les gars. Ça fait chaud au cœur pour les gars comme nous, même si on ne fait pas beaucoup de vues. Voilà. Ce que je comprends pas, c'est que j'ai pas mal d'abonnés et je ne suis pas assez de vues par rapport au nombre d'abonnés. Donc les gars, je sais pas si vous avez les notifications ou pas, mais au courant. Et voilà les mecs, on interagit tranquillement. Donc là, on va me livrer le véhicule. Comme t'as pu le voir, on s'est fait tirer dessus vite fait. La voiture, elle est toujours à peu près jolie. J'ai fini de rouler ma cigarette. Fumer, c'est dangereux pour la santé. Les enfants, s'il y a des enfants qui regardent, désolé, c'est une cigarette, ils roulent. Et voilà les mecs, voilà qui fait sourire, comme on dit, voilà qui fait sourire ma mère. Comme tu peux le voir, à la fin il va avoir un compte rendu, ça c'est plutôt bien fait. Tu vas voir ça tout de suite. Il va avoir un compte rendu de la vente. En gros, j'ai perdu 900 et quelques dollars sur la vente parce que j'ai cartonné. On l'a vendu 62 500. On a fait un paiement de 61 525. Voilà. Donc le véhicule, on l'a eu gratuit, on l'a revendu Nice work. 61 000. The money's in the bank. Plutôt pas mal. Alors pour finir, j'ai mis une petite course, elle s'appelle SRS Sultan Rally Sport, comme tu peux le voir en haut. Je t'invite à la télécharger comme tu peux le voir en haut aussi sur le Rockstar Social Club. Tu tapes Talibanks, il y a plein de courses, tu regardes, il y a plein d'affrontements, il y a des captures que j'ai fait pas mal d'ailleurs à faire en roleplay. Et voilà mec, t'as vu ma customisation, j'ai fait simple et efficace. Faut savoir qu'elle est customisable de A à Z, tu peux tout changer, mettre des ailerons de fou, tu peux faire le Jackie Tuning Show, tu peux tout faire frère. Niveau conduite, ça ressemble beaucoup à une Sultan RS en sportive. Faut savoir que la voiture, même custom chez Benny, elle reste sportive. Elle passe pas en super sportive ou quoi, elle reste sportive.
Elle est pas très 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 rapide, elle se continue plutôt bien, elle dérape pas mal, pas autant que la Sultane, je trouve, elle est pas aussi libre en dérapage, mais elle a beaucoup de reprises, je trouve qu'en accélération, en reprise après le freinage, elle a beaucoup de reprises, donc voilà. Au niveau de la visuelle, je trouve que c'est la plus jolie des voitures, y a rien à dire, on sent vraiment à la Nissan Skyline. D'ailleurs, pour ceux qui veulent faire des montages Fast and Furious aussi, n'hésitez pas à contacter, on peut se faire un petit truc, meeting voiture, on est là les gars. Et voilà, je voulais revenir aussi, il y a d'autres véhicules, vous inquiétez pas, il y a la Tempesta Pegasi, c'est une espèce de Lamborghini Huracan, il y a d'autres, une Ocelot, il y a d'autres, plein de voitures, il y a 8 voitures spéciales avec des capacités spéciales, c'est-à-dire des voitures qui sautent, qui dégagent les voitures sur la route, qui font voler qui volent avec un parachute, qui tirent des roquettes, etc. Moi, c'est pas mon délire, j'ai pas voulu te parler de ça sur la vidéo. Vraiment voulu te montrer mon coup de cœur, c'est-à-dire la Heli-Geek que tu vois custom là, qui vaut environ 850 000 à custom pour la mettre en custom rétro. Et ensuite, il faut investir bien plus, ça fait presque 2 millions et quelques à toute custom. Comment développer une activité d'import-export très rapidement dans le jeu en achetant un garage le moins cher possible à 1,5 million. En commençant par une petite mission d'import-export toute simple, toute basique, le vol d'un véhicule et la revente. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. J'espère que t'as kiffé les petits montages vidéo dans la vidéo. Je les ai incrustés. Voilà, c'est original. Ça change un peu par rapport aux autres youtubeurs. Voilà, on se capte plus tard. On se tire dessus, les mecs. Banks. Banks, les gens. N'hésite pas à liker. Et à partager mon pote. On se capte sur un mec.